Bonjour à tous, à toutes, nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, ce sera sur les. Toujours des courses. Des courses, encore des courses, encore des courses, toujours des courses. Ça n'arrête pas. Toujours, toujours, toujours et toujours. Leader Prize. Donc, du coup, j'ai repris. Comme apparemment, les gens, ils ont toujours pas compris comment ça s'est passé la dernière fois. Là j'ai vu, ils étaient en train de Leader Prize, ils étaient en train de remettre encore du papier cul de Sopalin. Donc tu veux dire, chez nous aussi c'est pareil, les gens ils ont dévalisé le papier cul. Donc franchement c'est du n'importe quoi parce qu'on a l'impression que les gens vont bouffer, ils vont le bouffer au petit déjeuner le papier cul. Donc avant qu'il n'y en ait plus, j'ai repris quand même un paquet. Voilà, comme ça au moins. Moi, ça me fait pas une semaine, hein, ça me fait quand même un bon petit mois. Hein, parce que moi, je chie pas tous les jours non plus, quoi. Bah, ça va toujours le même, hein, c'est le moins cher, 2,09 €. Yaourt, c'est pareil, j'ai changé un peu. J'ai pris du panier Dioplète en tentation, aux fruits rouges. Il est un peu moins cher que l'autre. Il y en a 8 dans celui-là, je crois. 8, l'autre, bah, aussi, je crois, 8, je crois. 8 ou 12, je sais plus. J'ai repris du lait écrémé. Parce que le lait entier, apparemment, il n'y en avait plus. Donc j'ai repris du lait. J'ai repris pour moi du lait demi-écrémé. Toujours le même, hein, ça change pas. Ensuite, j'ai pris des petits pois. Je voulais que des petits pois, mais je voulais pas de carottes. Mais apparemment, en grosse boîte, il n'y en avait pas. Je pense qu'il y en a que dans les centres commerciaux, mais dans les petits magasins, il n'y en a pas. C'est que des comme ça. Sinon, bah, c'est des toutes petites boîtes. Et ça, c'est des boîtes de 800 grammes. Donc j'ai pris du coup j'ai repris une petite boîte. Vous voyez, il n'y a que dans les petites boîtes, car par contre c'est que des petits pois, il n'y a pas de carottes. Et ceux-là ils font 400 grammes. C'est les petits pois extra fins. Tout ça, ils ont changé carrément leur design de la boîte. Parce qu'avant c'était pas comme ça. Donc carrément changé. Donc ça c'est pour ce soir. Je sais si elle avait envie de petits pois. Petit pois au lardon. Donc du coup j'ai repris des lardons. Voilà, ça les moins cher. En espérant que ceux-là ils sont pas salés. Parce que la dernière fois ils étaient hyper salés. C'est des paquets de 200 grammes. Il y a 400 grammes au total. J'ai repris deux sacs hachés qui va aller avec les petits pois et les lardons. 2,67, par contre c'était ceux-là que je prends d'habituel, c'est pas les autres. Les autres c'était à 2,99 € presque 3 €. Et ceux-là bon sont à 2,60 €. 67 ou 57. Non, 67. Là, normalement, c'est ceux-là que je prends. Ensuite, j'ai repris. Il y a le chat noir qui est dans le sac. J'ai pris une petite nouveauté. C'est deux steaks hachés façon crépinette à 2 euros. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Ils sont comme ça. C'est un peu genre comme des paupiettes farcies, quoi, c'est à peu près comme ça. Donc ça, on va goûter ça pour demain. Non? Hein? J'ai repris du soda, comme d'habitude, hein. J'ai
Du cola, comme d'habitude, comme hier. Et voilà, donc c'est tout comme petite course. Et j'ai trouvé un petit stylo par terre en revenant des courses. Donc on va vérifier tout de suite si le truc fonctionne. Apparemment le noir il fonctionne. Le bleu il fonctionne. Le rouge il fonctionne. Apparemment tout fonctionne. Donc voilà, je pense que ça va être un gamin qui a dû le perdre ou quelqu'un, une personne, un adulte, j'en sais rien. En tout cas, il y a 50 000 personnes qui est passé devant, qui a même foutu des coups de pied dedans. Personne n'a ramassé. Donc du coup, moi, je l'ai ramassé. Puis là, je vais passer un petit coup de lingette désinfectant dessus. Voilà, comme ça fera un petit lot en plus pour la maison. Et ça mange pas de pain. Donc j'en ai eu pour 16,73 centimes. Donc voilà. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 articles. Donc bah voilà. Voilà cette petite vidéo pour aujourd'hui. À tout hasard, Maus il est toujours vivant. Voilà, il est toujours là, il est avec moi. Il est encore là. Il est toujours à côté de moi. Un pépère. Voilà. Oui. Il est pas mort, il est encore là. Donc voilà. Donc toutes les personnes qui sont amusées à me dénigrer de la vidéo que j'ai mis hier, donc ils ont été bannis et bloqués, ainsi que Méli-Mélo, parce que ça fait les gentils par devant et par derrière, bah, ça joue les faux culs. Donc elle a été bloquée, tant pis si ça fait des années, ça faisait un bon moment qu'elle était sur la chaîne. Je sais pas, si on veut faire le faux cul, faut le faire tout de suite, et pas faut pas attendre des mois après pour dès qu'il se passe un petit truc, ça y est, on en prend plein la gueule. C'est pas comme si tout juste si j'étais un assassin de chat. Donc vous voyez, hein, Maus, il est toujours vivant, hein. Il est là, tu vois. Il adore toujours les papouilles. Il est toujours avec moi. Donc sachez encore une fois, pour essayer vraiment la toute dernière fois que si j'ai envie d'engueuler Maus, j'engueule Maus. Je suis déjà en France, je suis chez moi. C'est mon chat, c'est pas le vôtre, c'est pas votre chat. Donc vous faites ce que vous voulez avec vos animaux, moi je fais ce que je veux avec les miens déjà. Donc si j'ai envie de m'engueuler, si j'ai envie de lui mettre une pichenette sur le cul, parce que monsieur il fait une connerie ou quoi que ce soit, donc j'ai tout à fait le droit. Hein. Donc si ça vous plaît pas, bah, la porte est grande ouverte. Hein. Moi je vous garde pas. Hein. Vous pouvez partir, aller voir ailleurs, hein, si vous voulez. Hein. Mais je voudrais quand même être une petite souris pour voir comment c'est chez vous. Parce que si vous avez des animaux, ça m'étonnerait que vous donniez pas des petits coups de des petits coups des. Des petits fessés, que ce soit à votre chien ou votre chat, quand il fait des conneries. Ça m'étonnerait vachement. Donc avant de critiquer les gens, déjà, regardez déjà devant votre porte, comme on dit, hein, avant d'aller baver sur le dos des gens. Hein, vous savez très bien que moi, j'adore Maoud, j'adore Blacko. Voilà, des fois, bah, ils font des conneries. Et moi j'avais pas envie qu'il pète ni mon téléphone ni le truc de lumière que j'ai acheté. Parce que ça m'attendrait que vous les abonnés, ça m'attendrait que ce soit vous. Vous irez m'envoyer de l'argent pour payer le casque de mon téléphone.
ainsi me racheter un truc de lumière que j'ai payé à Action. Hein, ça m'étonnerait beaucoup. Donc c'est pour ça que je me suis fâché, parce que monsieur, il arrête pas de faire des bêtises. Hein, j'ai pas envie. Ça fait 3 fois qu'il a failli faire tomber la caméra, enfin le téléphone. Et si je fais vraiment pas attention, bah C4 il va carrément tout casser. Et c'est pas vous qui êtes emmerdé, c'est moi. Donc voilà, donc c'est la toute dernière fois que je dis je fais ce que je veux avec mon chat. Si j'ai envie d'engueuler, je l'engueule. Attention ma housse. Hein, si j'ai envie de lui mettre une petite fessée, une petite chenette, bah, je le fais. Hein, je vais pas vous demander votre avis, je vais pas vous appeler. Hein. Et puis voilà. Donc voilà, comme je vous dis, hein, si ça vous plaît pas, bah, la porte est grande ouverte, hein, vous partez. Hein. Pas grave, hein. Il y aura d'autres abonnés. Hein. Donc voilà, c'était ma petite gueulante. Donc sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de tourner la petite cloche. Et je vous dis à une prochaine petite vidéo. Salut!